Bonjour à tous, dans ce handicap divisé, deuxième épreuve du prix Teddy. Difficile de ne pas faire confiance au numéro 4, Milfield, qui a eu d'autres ambitions par le passé, avec notamment une victoire en 2021 et deux deuxièmes places en 2018 et 2022, ou justement dans le prix Teddy, quintet du jour. Âgé aujourd'hui de 10 ans, les combats deviennent un petit peu plus compliqués pour lui, mais c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, et il sera de nouveau associé à son jockey fétiche, Christian Desmureaux. Je pense que le coup est jouable. Je vais racheter derrière le numéro 5, Afghani, qui visait trop dernièrement dans un quintet. Se protéger de Fabrice Chappé avait montré quelques moyens à 3 ans. Il devrait se plaire sur la distance et surtout n'a jamais déçu sur cette piste en 2 tentatives. Correctement traité au poids, il trouve ici l'occasion de se réhabiliter totalement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et bien évidemment, on se retrouve dès demain pour de nouveaux Côte et Côte.